Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Galerie des âmes, nos protagonistes sont arrivés à la galerie de Stalker et découvrent un massacre, une pièce baignant dans le sang. Nous reprenons alors que Ray rejoint le groupe. Bonne écoute de Galerie des âmes, épisode 3. Il y a ces mouches qui vrombissent partout, il y a Fred qui est en train de fouiller les flaques de sang par terre, en tirer des... Tu vois pas, il remet un truc, il a pris un truc dans un chiffon. Il y a Lisa qui est au pied d'escalier qui regarde un peu pétrifiée, la main recourbée comme une petite araignée morte. Et il y a Georges qui se dirige vers l'arrière de la maison, pistolet sorti et lumière qui suit les traces dégueulasses au sol. Une espèce de... comme si on avait mouillé de l'eau avec de l'eau des égouts, quoi. C'est quoi ce bordel? Bah justement, on aimerait bien savoir. Donc je vais voir où ça va et après je vais regarder. Mais c'est pas Fred qui a fait ça avec son flingue, quand même? Non. Fred, c'est le petit tas à côté de la porte, là. Ça, c'est lui. Venez avec moi, Ray. J'aimerais monter à l'étage. Peut-être que Monsieur Stalker, enfin, ce qu'il en reste, est là-haut. Mais j'ai pas envie d'y aller toute seule. Pas de problème, Madame Bennett. C'est quoi cette main? C'est horrible. C'est un véritable carnage ici. Je comprends pas. Lisa et Ray, vous montez à l'étage. Tu fais quoi, Fred? Une fois que j'ai fini, je regarde un peu, j'ai envie de les accompagner aussi à l'étage, et puis je vois sûrement la main par terre, donc je prends la bague en passant, je mets tout ça dans mon espèce de petit chiffon et je mets ça dans mes poches. Comment tu fais pour enlever cette bague? Je peux pas la laisser, elle est trop belle. Discrètement, je me tourne et je casse le doigt pour pouvoir extraire. D'accord. Je peux pas la laisser, elle a trop de valeur. Tu fais quoi, Georges? Moi, je continue à me diriger vers la porte, ne serait-ce que pour vous. L'ouvrir et voir s'il y a quelque chose. Tu ouvres la porte et tu vois juste que derrière, c'est du jardin pas entretenu et que les traînées ont vraisemblablement laissé ou écrasé l'herbe comme si quelque chose de massif avait été traîné ou tiré dans l'herbe. Et après, ça se perd. Donc je peux pas suivre... Après, ça arrive sur le bitume. Ok. Et il n'y a plus aucune trace. Non. Okay. Bah, je retourne dans la maison. Et bah, je vais rejoindre les autres. Tu retournes dans la maison, tu vois Fred qui commence à monter les escaliers. Pendant que Ray et Lisa, vous êtes arrivés en haut de les escaliers, vous avez entendu un craquement désagréable. Je me retourne. Donc tu vois juste Fred de dos. Et le son provient de là. Tu ne vois plus la main sur l'escalier. Qu'est-ce que tu fais, Fred? Rien, j'arrive. Il n'y a pas eu de massacre à l'étage. Néanmoins, tu distingues des traces de pas ensanglantées au sol. Madame Bennett, regardez, il y a quelqu'un qui est passé par là, les pieds ensanglantés. Laissez-moi passer devant. Ouais, je sors mon colt de mon petit sac à main Gucci. Ok. Fred, tu montes après, c'est ça? Tout ce que j'ai ramassé là, c'est vraiment dégueulasse. Je suis obligé de les passer sous l'eau. Je peux pas du tout les mettre dans ma poche. Bah, ça va tâcher ta poche. Tu peux chercher un endroit, une pièce d'eau. Bah, je vais dans la pièce à côté. Alors, la pièce. Quand tu te diriges vers cette pièce là. Georges, tu fais quoi? Tu vois Fred qui se dirige vers une pièce qui a pas été explorée et tu entends Ray qui parle à Lisa à l'étage. Bon, bah, Fred, quand t'auras fini de faire ta vaisselle, tu nous rejoins en haut. Et tu montes l'escalier justement. Ok. À l'étage, Ray, les tableaux qui se trouvaient là, visiblement, ont disparu. Il y a leurs traces au mur. Il y a une pièce, vraisemblablement, en face. Donc c'était la suite de la galerie, si tu veux, ici. Il n'y a pas de tableau. Et il y a quelques traces de pas qui sont au sol, qui n'ont pas une destination précise, si tu veux. Peut-être que c'était pour décrocher les tableaux, peut-être que quelqu'un est monté et est redescendu après, tu vois. Donc, les traces sont englantées, vont dans les deux sens. Oui, voilà. Monte et descend. Voilà. Okay. Et il y a une pièce en face de toi. Et à ce moment-là, Georges arrive aussi en haut d'escalier. Fred, tu as ouvert la salle de bain.
Le sol est couvert de sang et d'excréments. La pièce contient des toilettes, un lavabo et une immense baignoire montée sur pieds griffus. Il y a un homme penché de dos sur cette baignoire. Tu vois juste qu'il est habillé en tenue de soirée. Je veux nettoyer mes bijoux. Tu t'approches de la... Du lavabo. Du lavabo. Donc tu passes à côté de l'homme qui est tendu, qui est à genoux devant la baignoire. Tu t'aperçois en passant que la baignoire contient le corps d'une jeune femme. Tu vois que l'homme qui est à genoux devant la femme a un stylo plume fiché dans son œil gauche, d'où coule une traînée blanchâtre. Sa chemise blanche est complètement imprégnée de sang. La femme, elle, a été dépecée avec un talent indéniable, probablement vive, puisque son visage est fermé et figé en un hurlement silencieux. Ses yeux ont disparu, et ses dents sont d'un blanc quasi surnaturel, en contraste avec la chair rouge. Une nuée de mouches semble provenir de la cuvette des toilettes. Je suis horrifié, et pour éviter de revomir une deuxième fois, je fais demi-tour et je sors de la pièce. Donc je refais demi-tour et je reviens à la cuisine pour nettoyer mes bijoux, parce que pour moi c'est important. D'accord. Donc je referme pas la porte, je fais juste demi-tour et je vais dans la cuisine. D'accord. Quand Georges arrive en haut de l'escalier, je mets un doigt devant la bouche pour lui intimer le silence. Si jamais, au cas où, il y a une pièce, je te montre, il y a une pièce au fond. Je te montre la pièce pour te faire comprendre que je vais aller l'ouvrir. Et on sait jamais ce qu'il peut y avoir. Du coup, je te fais signe que je te couvre. Tu acquiesces, c'est ça le dire ? Ouais, je fais un signe de tête, j'ai compris ce que Ray disait à Georges et il me regarde et je lui fais un signe de tête pour lui dire que c'est d'accord pour qu'il ouvre la porte du fond. Donc je me prépare à ouvrir la porte. Je mets la main sur la poignée que je tourne doucement. D'accord. Est-ce que la porte s'ouvre ? S'ouvre. Donc je l'ouvre d'un coup et je m'écarte. D'un coup et tu t'écartes. T'as une lampe torche qui pointe Ouais, j'ai mon revolver, du coup je colle ma lampe torche comme ça en dessous pour en même temps avoir la stabilité et pouvoir éclairer en même temps que je vise. Tu éclaires ce qui est vraisemblablement une chambre vide. Vous voyez tous les trois une chambre vide. Vous apercevez un bureau, un lit, un placard. Moi je vais vers le chevet. Ouais. Bien, je cherche dans le tiroir. Est-ce qu'il y a des objets ? Est-ce qu'on peut identifier si c'est... Bon, c'est bien la chambre du peintre, j'imagine, mais il n'y a vraiment rien. Je fouille, en fait. Vous faites quoi, les autres ? Bah, moi, j'allais... Pendant que tu faisais le chevet, j'allais voir dans l'armoire, regarder les affaires, s'il n'y a pas des papiers qui traînent ou quelque chose qui pourrait nous aider à identifier... Enfin, déjà, savoir à quoi il ressemble. Un genre de choses, quoi. N'importe quoi qui puisse nous aider. Ray, tu fais quoi ? Pour moi, il n'y a rien d'important dans la chambre, au final. Je reste sur le palier, cette pièce d'exposition. Et je me prépare à descendre. Parce que, vu le carnage qu'il y a eu en bas, Fred est tout seul, ça commence à m'inquiéter. Je ne l'entends pas. D'accord. Fred, toi, t'es dit aller vers la cuisine, donc t'as refait le chemin inverse, t'es allé près de l'entrée, t'as ouvert la porte, tu rentres dans la cuisine. Le comptoir est couvert de sang aussi, séché, mais c'est moins abondant que la pièce à côté. Je sais pas si tu fermes la porte derrière toi. Non, y a pas de raison. Ok. Tu rentres, tu trouves l'évier, tu vois qu'il y a un porte-couteau à côté, il manque quelques couteaux. Tu commence à vouloir nettoyer tes bijoux, donc ton petit bracelet et ta bague que tu as réussi à... Donc tu commences à faire couler l'eau et tu revois l'eau qui coule, qui les nettoie, et tu t'aperçois que l'évier est bouché par du sang et des cheveux. D'accord. Bah, je nettoie au plus vite et je coupe l'eau, je mets ça dans un tissu et je mets ça dans ma poche. Ok. Tu entends Ray qui t'interpelle de l'étage. Je m'en fous. Genre dans la penderie, tu trouves
des vêtements d'hommes, mais aussi pas mal de tenues féminines à la mode. Il n'y a rien d'intéressant ici. Il y a un bureau sur lequel il y a pas mal de papiers. Donc toi, tu cherches un moyen de l'identifier, donc tu te diriges vers ce bureau. Ouais. Lisa, tu regardes le chevet, il n'y a rien d'intéressant. Par contre, il te semble qu'il y a quelque chose comme dans le mur, comme un placard secret, quelque chose comme ça. Je touche, je mets ma main, j'essaie de... Sans doute aimanté, donc t'arrives finalement à l'ouvrir. Tu découvres, enroulé, derrière cette paroi en fait, derrière cette porte que tu as ouverte, plusieurs toiles vraisemblablement de l'artiste qui ont été stockées à cet endroit-là. Et il y en a quelques-unes que tu peux prendre qui sont enroulées sur elles-mêmes. Mais en fait, je prends les rouleaux et je les mets sur le lit. D'accord. Et je dis, Georges, venez voir, j'ai trouvé des choses. Ray, tu entends ça aussi. Dans ce cas, si j'entends, vu que je n'ai pas encore commencé à descendre, je fais demi-tour. Ça me rappelle. D'accord. Georges, toi, tu regardais le bureau, la correspondance, les divers papiers qu'il y avait. Donc, il y a des papiers en tête et encre qui correspondent à la lettre qu'a écrit ton boss. Mmh. Il y a plusieurs lettres. Certaines sont adressées au studio et d'autres à une adresse du centre-ville de Los Angeles. Il y a aussi une lettre un peu froissée qui t'interpelle. Regardez, Ray, j'ai trouvé des toiles qui étaient cachées derrière le mur, là, dans une cachette secrète. Bon, écoutez, je sais pas si on doit les regarder parce que c'est complètement horrible ce qui se passe ici. Et puis, je commence à perdre, à stresser parce que je me dis, on devait retrouver ce peintre là, ce Starker, et on l'a, il est mort, il a été massacré. Enfin, il y a pas de corps, on va pas y arriver. Et puis, en fait, je m'assois sur le bord du lit à côté des trucs, mais je les ouvre pas parce que je me dis, mais ça se trouve, c'est horrible. Donc, je sors le sac de jute que j'avais mis dans ma poche, ou discrètement sous mon veston avant de quitter la voiture. Et je m'adresse à Lisa. Vous inquiétez pas, Madame Bennett. On n'a pas besoin de les ouvrir. On va les mettre dans le sac. On va les emmener. On verra plus tard. Mais je te mets une main sur l'épaule. Mais faut pas vous mettre dans des états comme ça, madame. Je sais que c'est horrible, mais il faut qu'on garde la tête froide. Faut qu'on soit sur le moment présent pour trouver une solution et savoir déjà tout le sang qui est là. On sait pas si Starker il fait partie des victimes. Faut qu'on le trouve déjà. Mmh. Ouais, faut qu'on le trouve et vite. C'est une bonne idée de prendre ses œuvres, on sait jamais, ça pourrait nous être utile, on sait jamais. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Fred ? Je sais pas, il est en bas, mais il répond pas. Attendez, je vais voir. Après avoir nettoyé, je me sens soulagé. Je mets ça dans ma poche, bien emballé. Et du coup, ça me fait revenir un peu à la réalité. Et là, je me rends compte que dans la salle de bain, il y a peut-être Starker, en fait. Et là, je me dis, mais il est mort. Donc on a échoué, on devait le ramener vivant. Du coup, je commence un peu à paniquer, il faut que je prenne l'air. Donc je vais au fond en fait, je suis les traces au sol et je sors, complètement je sors, parce que la porte était... D'accord. Et je vais dehors, donc je sais pas ce que je vais voir, mais en tout cas je sors dehors prendre l'air. Donc dehors, il y a une maison derrière, avec aussi son petit jardin, et il y a de l'herbe qui est complètement écrasée, comme si quelque chose de massif a été traîné... dans l'herbe en fait, et ça va vers le bitume, c'est la petite porte arrière de la petite bordure blanche en bois standard de ces maisons, et plus de traces. Donc je vais jusqu'au bout des traces. D'accord. Et tu arrives sur la route et tu vois c'est dans une petite rue transverse en fait, et tu vois la voiture que vous avez prise qui est un peu enfoncée sur le devant. Donc je suis un peu effondré, donc je verse peut-être quelques larmes, crise de nerfs en fait. Je me reprends et je fais demi-tour et je retourne dans la galerie. Ray, t'as entrepris de descendre toi ?
Donc tu descends les escaliers, et à mi-escalier, tu vois Fred qui rentre par la porte de derrière. Et qu'est-ce que tu fous, Fred ? Je m'approche de toi, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, c'est terrible, mais faut qu'on trouve Starker. Il est mort. Comment tu sais ? Il est dans la salle de bain, dans la baignoire, il est mort. Oh putain ! Je sais pas ce qu'on va faire. J'ai pas envie qu'il continue de parler, je vais vers la salle de bain et je vais voir mes propres yeux ce qui se passe. J'appelle... Ouais, je suis dans la chambre. Je t'interpelle et... J'étais sur le lit. Je vois, j'ai trouvé ça, là, il y a deux lettres. Une de notre boss. Une lettre de notre boss qui se... Pour qui ? Pour le peintre ? Pour le peintre, ouais, apparemment... C'est bizarre, il parle de quelque chose, enfin... C'est-à-dire quelque chose... Dis-moi... Ils sont tarés tous les deux. Ouais, ce qui est possible. Soit c'est moi qui perds la tête, mais... Il parle de voir le monde comme il est réellement, de monstres. Et du coup, il lui proposait son aide. Apparemment, Starker aurait des... Le fait qu'il voit des choses qu'il ne devrait pas voir, ça a amené des gens à... Il s'est fait des ennemis, entre guillemets. Et notre boss lui proposait de l'aider... j'ai du mal à expliquer, je te laisse lire la lettre si tu veux. Ok. Par contre, il y a une autre lettre. Oui. D'un détective privé. Ah. Que Starker avait engagé pour le suivre, lui, pour voir s'il était suivi. Du coup, on a une autre adresse de son appartement dans le centre de Los Angeles. Ah, c'est une piste, ça. C'est très bien, faut vite le dire à Fred et à Ray. Je fais Fred Dépêche-toi. L'appartement apparemment était bien suivi par trois personnes. Par contre, le détective, en tout cas, il n'y a pas assez d'éléments ici. Le détective devait enquêter sur qui ils étaient et pour qui ils bossaient. On a bien l'adresse de l'appartement du peintre. On a une autre adresse que le studio où on est là. Génial. Fred, t'as entendu Lisa crier, assez frénétique. Toi, tu es rentré. Bon, c'est très violent quand même. Dépecer vive, c'est des limites que tu ne t'accordes pas de faire, surtout quand ça concerne des femmes. Tu réagis comment ? Ça me choque. Je garde. Ça me replonge quand même dans certaines choses que j'ai déjà fait. Mais comme je veux pas toucher aux femmes. Je me détourne un petit peu de ce qui est dans la baignoire pour concentrer sur l'homme qui est à genoux. Et pour essayer de le tirer légèrement en arrière, même si je suppose qu'il faut que ça résiste un peu, pour fouiller dans ses poches, dans son veston. Tu te rends compte que l'homme était un invité. Sans doute le mari de la femme qui était dans la baignoire et que c'est lui qui l'a dépecé. Je sors vite de la salle de bain et je suis inquiet, donc je vais juste jeter le sac en toile de jute à côté de la porte d'entrée et je remonte l'escalier. Ok. Fred, je suppose que tu montais aussi. Si je l'entends appeler, je monte rapidement la rejoindre. Donc Fred, tu montes la rejoindre, Ray, il est allé poser son sac, il est venu aussi vous rejoindre, et vous arrivez tous, finalement, dans cette chambre, avec Georges et Lisa qui sont en train de lire des lettres, qui vous interpellent, allez-y. Fred, il y a Georges, il a trouvé des lettres sur le bureau, là, et il y en a une, il y a l'adresse de l'appartement du peintre, il faut qu'on y aille, peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'on peut encore faire ce que Monsieur Piquet nous a demandé, on peut peut-être... Il est mort. Comment ça, il est mort ? Il est mort, il est en bas dans la baignoire. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui ? Mais non, tu le connaissais ? Non, mais c'est un taré. Ce gars-là, c'est... Je sais pas ce qui leur passe par la tête. Mais ce gars-là, c'est le mari de la nana qui est dans la baignoire. C'est juste des invités. Il l'a buté direct, je sais pas ce qu'ils ont. Mais c'est pas lui. Mais comment t'en déduis ça ? Mais comment tu déduis que c'est le peintre ? Je sais pas, il habite ici, il y a une femme et un homme, c'est sa femme, voilà. Non, c'est pas lui. Bon, c'est pas lui, regarde, tiens. Tu vois, c'est un invité. Là, je suis super soulagé. Je suis rassuré, du coup, parce que j'allais m'effondrer. Je pensais que tout était fini. On avait perdu. C'est bon, on n'a pas le temps de parler. Ils ont raison. Faut qu'on y aille. On a une adresse. Faut qu'on sorte de là. Un appartement au centre de Los Angeles.
Ça, c'est son studio, sa galerie. Là, j'ai récupéré l'adresse de son appartement. Ah, on a enfin la vraie adresse. Georges, toi, tu as pu être confronté à des choses terribles et à faire des études un peu qu'il ne faut pas que le grand public connaisse. Et tu, en t'intéressant à différents cercles occultes, de la sorcellerie, très pieux, toi, tu crois à l'existence de Satan, de démons, de créatures malfaisantes et maléfiques qui pourraient intervenir, et tu sais que ça peut exister. Tu penses que seul un monstre aurait pu faire le massacre qu'il a fait en bas. Donc, Ray, toi, t'es redescendu rapidement pour prendre le sac. Vous redescendez tous, c'est ça? Ouais, parce que moi, je me dis que il y a peut-être quelqu'un qui va appeler la police, là, avoir des raies de lumière, des machins, des gens qui crient. Par contre, dans la lettre, il parle de toiles qu'il a dessinées qui sont bizarres. Il y en a aucune toile ici. C'est les toiles qui sont dans le sac de jute. Ils sont dans le sac de jute. On les a pas regardées. Il faudrait regarder, du coup. On va pas passer notre temps à ça, là. Faut dégager. Je les ai prises. On est tranquille. On les a pas laissées. Ok, on y va. Vous retournez tous dans la voiture de Ray, par la porte de devant ou par la porte de derrière? Par derrière, je pense. Ouais. Par derrière. Vous sortez par derrière et vous tombez directement dans la ruelle sur la voiture de Ray. Vous vous engouffrez dedans. Tu mets le sac dans le coffre. Je mets le sac dans le coffre. Je ferme le coffre à clé. Ray, il s'est passé quoi avec la voiture? Ouais, t'inquiète. Enfin, je poursuivais la voiture qui Georges, toi, t'as couru après. Je l'ai attrapé. J'ai même pas pu lui parler, il s'est barré. Donc je suis remonté dans la voiture, je l'ai coursé, et il y a un connard qui s'est mis au travers, je lui ai rentré dedans. Putain, il m'a échappé, l'abruti. Il t'a échappé, donc on sait pas qui c'est? Non, je connais pas son nom et tout. Moi, dans le coffre, je prends quand même à manger et à boire, puisque j'ai vomi et je me sens... C'est vrai que t'avais après acheté plus que nécessaire. Oui. Et comme je me sens un peu nauséeux, je lui fais, attends, laisse-moi prendre deux secondes. Je ferme la clé. Vous prenez la route pour l'adresse de l'appartement. Oui. Il est 11h. Vous avancez sous une pluie battante. Les nuages noirs obscurcissent le ciel. Vous vous dirigez vers le centre de LA, au coin de la 7e et de Broadway. Vous arrivez, vous vous garez. L'adresse indique, mais une vieille maison victorienne qui compte 7 étages. Encore une fois, je me gare un peu à l'écart. Dans une maison de SIA. Je sais pas, moi, il y a un parapluie, je prends un parapluie, à moins que quelqu'un me propose d'être sous son parapluie, mais... Moi, je te propose d'être sous mon parapluie. Ok, j'accepte. Ok. Et vous prenez un parapluie? Ouais, je partage mon parapluie avec Georges. On est juste derrière eux. Ok, vous arrivez au pied de cette maison. Il y a un large escalier qui monte à partir du rez-de-chaussée autour de la cage d'un ancien ascenseur. En regardant les boîtes aux lettres, vous voyez différents noms, mais aucun qui vous parle. C'est marqué 7e sur la lettre. Très bien, on rentre et on va au 7e. Escalier ou ascenseur? Escalier. Ok. Escalier. Plus discret. Je suis pas ravi, moi, avec mes talons, à faire de taper 7 étages. Est-ce que tu peux enlever tes chaussures? Pourquoi vous voulez pas prendre l'ascenseur? Plus discret. Plus discret par rapport à quoi? On est dans un immeuble, il y a des gens qui prennent l'ascenseur, non? Je sais pas. Il y a des curieux, donc on va éviter, on va monter directement à l'appartement. Il suffit juste que tu tiennes tes chaussures à la main 5 minutes. Hein. Enfin bon, si quelqu'un nous croise dans les escaliers et me voit avec les chaussures à la main, ça va faire un peu bizarre. Non, on dira qu'il est 23h, on va pas déranger les voisins. Ok, très bien, enfin, allons-y. Tu remarques, Lisa, que Fred souffle le chaud et le froid. Un coup, il propose de partager ton parapluie avec toi. Un autre coup, il te demande de marcher pieds nus parce que tu peux bien faire ça, hein, t'es qu'il tient qu'une femme. Et vous montez les 7 étages. Vous arrivez au 7e étage et... Il n'y a qu'une seule porte sur ce palier. Et une petite plaque en laiton indique Carita Schiller. Un morceau de papier et scotché précise que Christian Storker vit ici aussi. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Il y a deux personnes qui habitent ici, en fait? C'est sa coloc. Carita, qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, c'est peut-être ça. Mexicain? C'est peut-être sa femme. Ouais. Enfin,
Et c'est peut-être lui qui s'est installé chez la femme qu'il a rencontrée, je sais pas. Oui, oui, vous avez toute raison, Ray. Est-ce que du coup... La porte d'entrée est en chêne robuste. Est-ce que vous vous cachez et l'un de nous frappe et se fait passer pour la police en disant que sa galerie a été attaquée et qu'on aimerait parler à Monsieur Starker? Alors, il fallait que je monte 7 étages à pieds nus, et maintenant, il faut que je me cache. Ouais, s'il vous plaît, c'est pas le moment de se disputer. Hein. La voiture est garée là-bas, si, je suis sûr que Ray pourrait te donner les clés. Non, non, les clés, je les garde. Je frappe. Georges, tu frappes et personne ne répond. Bon, le roi du rossignol, je crois que... tu chantes un petit peu, là. Je m'attelle à la tâche. Et, si jamais tu n'y arrives pas, j'ai un pied de biche. Je vais y arriver. Ok, ben j'espère bien. Ça a eu le coup d'être discret. Tu la crochettes. Bon, t'as l'habitude, tu fais ça proprement. Et d'abord sous. Donc je sors ma lampe torche. Je leur fais signe et je rentre discrètement en éclairant un peu. J'ai peur de retomber sur une scène avec du sang en fait, donc j'y vais un peu tout doucement. Vous entrez juste après lui ou pas? Soit je ferme la marche, soit je suis avant-dernière, avec peut-être Ray derrière moi, mais juste comme ça. Je le suis. D'accord. Je suis derrière lui. Donc vous suivez, vous rentrez au fur et à mesure, Fred, George, Lisa et ensuite Ray, c'est ça? Ouais. Je me mets derrière Lisa. Lisa. Je les laisse entrer, je te retiens juste un instant, par le bras, je te fais chut. Et je te dis que juste te dire un mot. Ok. Madame Bennett, essayez de pas vous énerver comme ça. Je pense qu'il y a votre histoire avec Fred, faut pas qu'elle se mette comme ça. Faut pas qu'elle nous amène des histoires supplémentaires. Vous voyez, je sais que vous êtes lui, faut pas essayer d'oublier ce qu'il fait ou ce qu'il vous a fait. Je sais que vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je suis sûr que vous pouvez garder ça pour l'instant. Je serre les dents et je lui réponds pas. Vous rentrez juste après. Est-ce que tu fermes la porte, Ray? Oui, je la ferme. Le style est luxueux. On est dans... Donc c'est décoré des façons des années 40. Il y a des tapis persans, des accessoires de mode divers, des meubles vitrés, une propreté impeccable. Il y a une grande pièce à vivre. Avec différentes pièces qui sont distribuées tout autour, sans doute cuisine, chambre, salle de bain, ce genre de choses, quoi. Et voilà, c'est vraiment, vraiment très beau. Au mur du salon, tu vois des tableaux. Tu vois, donc je suppose que vous êtes tous avec votre lampe torche en train d'éclairer, c'est ça? Oui, moi je regarde ce que les autres éclairent. On n'allume pas la lumière de l'appartement, en tout cas. D'accord. Vous voyez des tableaux datés des débuts de Starker. Vous voyez une photo dédicacée de Greta Garbo. Voilà, vous ouvrez les différentes pièces, je sais pas ce que vous faites. Bah, moi, j'aimerais voir s'il y a du monde, donc je m'avance discrètement vers la chambre pour voir si quelqu'un est dans le lit. Ok. George? Bah, c'est ce que je comptais faire aussi, c'est déjà vérifier, parce qu'on a vu un autre nom d'une personne qui habitait là, donc logiquement, oui, c'est de checker les chambres, c'est de trouver une chambre. Donc tu vois Fred se diriger vers une pièce, tu diriges vers une autre pièce, c'est ça? Ouais. Ray et Lisa? Moi, je cherche déjà s'il y a des photos dans la pièce, pour essayer de mettre un visage sur Starker. Donc si je vois la photo d'un homme... Et d'une femme a priori hispanique. Il y a pas de photos dans la pièce. Il y a des tableaux, des œuvres d'art. C'est plutôt quelque chose d'artistique à cet endroit-là. Ouais. Mais tu peux chercher dans d'autres pièces, hein, peut-être. Il y a combien de pièces? Il y a 4 pièces. Je vais prendre une autre porte. Ok. Au hasard, un peu. Moi, je reste dans la pièce principale. Sauf si, du coup, il n'y a plus de lumière, parce que j'ai pas de lampe torche. T'as pas de lampe torche? Ah, il n'y a plus de lumière à ce moment-là. Est-ce que tu peux allumer? Non, non. Je vais quand même suivre l'un d'entre eux pour pas rester seul dans la pièce. Qu'est-ce que tu suis? Je vais suivre Ray. Georges, tu rentres dans une pièce et c'est la salle de bain. En fait, clairement, il n'y a personne ici. Donc, tu retournes dans la pièce principale, Georges, et tu vois qu'il y a une autre pièce qui n'a pas été... visité, tu t'y diriges. Fred, tu rentres dans la chambre.
Mais il y a des beaux draps en satin, plutôt rose. Il y a une penderie qui est remplie de vêtements à la mode et coûteux, essentiellement des vêtements féminins. Il y a une autre penderie, beaucoup plus petite, avec quelques vêtements masculins. T'as l'impression que l'appartement appartient à quelqu'un et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit avec, quoi. Mais personne, pas d'individu. Ray et Lisa, vous rentrez dans ce qui fait office d'atelier, de bureau, en fait. C'est un peu les deux. C'est-à-dire que il y a un bureau sombre où sont entassées beaucoup de lettres. Il y a peut-être un endroit où un chevalier sans toile posée, en fait, un endroit où il pourrait peindre aussi, une personne pourrait peindre aussi. Moi, je regarde rapidement le bureau pour voir s'il y a quelque chose qui m'attire l'œil avec les lettres, mais sinon, okay. Et toi, ouais. J'ai l'intention de faire la même chose, mais du coup, je me concentre plutôt sur la même comme photo, comme dans le salon. Des traces de photos, okay. De cadres. Georges, tu t'es dirigé vers la dernière pièce qui est la cuisine. Et petite cuisine aménagée dans laquelle tu peux manger. Il y a une table, voilà. Fred, une fois que t'étais dans la chambre, tu ressors, tu fais quoi? Je ressors et j'aimerais regarder l'étoile. Tu retournes dans le... Dans la pièce centrale, là, et je veux voir un peu ce que représente l'étoile, puisque j'ai toujours pas eu l'occasion de voir... Les premières œuvres de Starker, c'était pas terrible, c'était pas des belles toiles, c'était plutôt des portraits, mais pas bien réussi. Et il y a un tableau qui est de Guingois, d'ailleurs. D'accord, je m'approche, je l'enlève du cadre. Il y a un coffre-fort mural derrière. Je m'attelle à l'ouvrir. Ok. Une fois que t'as vu que c'était cuisine, il y avait personne, tu retournes dans le salon. Oui, c'est ça. Bah oui, si je vois. Tu vois Fred qui a révélé un coffre et qui s'apprête à l'ouvrir. Pendant que Ray et Lisa, t'as pas de nouvelles d'eux, ils sont dans la dernière pièce. Je vais les rejoindre. Tu vas les rejoindre. Juste avant, en demandant si Fred, t'as besoin d'un coup de main ou ça va. Non, j'ai besoin de silence. Tu fais comment au niveau de ta torche et tout ça? Dans la bouche. Dans la bouche, ok. Et tu les rejoins, Georges. Vous voyez, donc effectivement, tu vois, Ray, tu trouves une photo en noir et blanc d'un jeune homme dans la vingtaine, en pleine conversation avec un gentleman d'une quarantaine d'années. Et il y a un cercle au stylo qui entoure la tête de ce dernier, avec un point d'interrogation à côté. Je retourne la photo. Il n'y a rien marqué dessus. Je la mets dans la poche. Lisa, toi, tu trouves un dossier qui contient des lettres qui sont envoyés par un homme qui affirme être un collectionneur d'art invétéré. Il aimerait rencontrer le peintre à son studio. Et vraisemblablement, c'est un dossier et le Starker a décliné l'offre et puis l'homme est revenu à la charge, etc. Et Starker a griffonné un numéro de téléphone au-dessus du dossier. Je laisse en évidence sur le bureau pour en parler aux autres. D'accord, Georges, tu vois ça quand tu arrives. Le coffre-fort est plutôt bien fermé, donc ça te prend, ça te demande. C'est pas aussi facile que la porte d'entrée, quoi. C'est un peu plus technique, ça te prend un peu plus de temps. À ce moment-là, vous entendez le son du métal frottant la pierre, et vous entendez des gémissements, une odeur fétide d'égout commence à envahir la pièce, comme si elle venait de la cage d'escalier. Et ainsi se termine Galerie des âmes, épisode 3.